beffroi sonne l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Inlassablement, depuis 30 ans, sa mélodie a été ma seule compagne. Aujourd'hui, on dirait bien que c'est mon heure qui vient de sonner. Pourquoi et comment suis-je arrivé là? Tout commença ce jour tragique où par le sang je vis mon enfance basculer à tout jamais. La violence s'était emparée de moi comme un démon qu'il est impossible de vaincre. Il me fallait maintenant survivre et c'est par les armes que je devais le faire. Car dans ce monde, elles sont de meilleurs arguments que la raison. L'apprentissage fut long et difficile. Il fallait de l'assiduité et de la persévérance pour devenir un mercenaire d'élite respecté. Regarde, gamin ! Les affaires allaient bon train et ma renommée s'affirmait, mais ce qui fut mon dernier contrat se révéla de toute autre nature que les précédents. Salutations, noble seigneur. Vous m'avez fait quérir et me voilà devant vous en ce jour, pour témoigner de mon désir de vous servir. Relève-toi, Marcille. Je sais bien les valeurs et les forces qui sont tiennes. Et j'ai, pour l'heure, grand besoin de tes services. Une bande de brigands s'amuse depuis plusieurs lunes à piller mes terres. Ils s'attaquent à mon peuple, aux récoltes, et le trésor du royaume s'effondre. Ils frappent partout et mettent en jeu mon autorité. C'est une chose que je ne peux pas tolérer. Qu'attendez-vous de moi ? Il existe un ermite qui se cache plus au sud et qui dirige cette rébellion. Tu dois le retrouver et le supprimer afin de mettre un terme à cette révolte. Ce sera fait selon vos désirs, Seigneur. Suis-le. Et assure-toi qu'il mène à bien sa mission. Voici mon sceau royal, qui te permettra de justifier l'ordre que je viens de te donner. Ce matin-là, le vent caressait de sa brise légère la cime des arbres et faisait voler les feuilles mortes formant de petits esprits invisibles.
Arrivé sur les traces de ma cible, le climat paraissait tendu et quelque chose d'imperceptible flottait dans l'air. Tu m'excuseras pour le confort. C'est rudimentaire. Mais ici, je suis en sécurité. Et en paix, au moins. Je t'en prie, prends place. C'est moi qu'il t'envoie éliminer cette fois. Ce vieux fou a décidément perdu la raison. Comment le savez-vous et qu'est-ce que tout cela veut dire ? Comme tu le sais, le peuple est divisé, et le roi cherche depuis longtemps les coupables, mais sans réussite. Malheureusement, il n'hésite pas à sacrifier certains innocents, pour se voir attribuer un peu de mérite auprès du peuple, mais en vain. Vous blasphémez ! Il m'a dit que c'était vous ! Je devais vous tuer ! Si tel est toujours ton projet, j'ai vieilli, certes, mais la chose ne sera guère aisée. Me vois-tu vraiment à la tête d'une rébellion contre le roi ? Penses-tu réellement que je puisse te mentir, moi qui t'ai appris à te servir d'une épée ? Je ne sais plus quoi penser. Et le sens de ma mission se perd à chacune de vos affirmations. Pour que ta quête soit un succès, il faut que tu découvres le véritable coupable par toi-même. Ainsi, tu gagneras l'estime et le respect du roi. Comment trouver un seul homme sur un territoire aussi vaste que celui du roi ? Impuissant, je devais me rendre à l'évidence. Ma mission avait échoué. Face à la réalité, un seul homme pouvait comprendre. Ah!
Tout de même. Alors, avez-vous de bonnes nouvelles à m'annoncer ou dois-je faire intervenir le bourreau en réponse à votre compétence? Nous n'arrivons pas à capturer le deuxième homme. Il est introuvable. Incapable. Dois-je vous rappeler pourquoi je vous paie? Ramenez-le-moi mort ou vif, si vous escomptez un autre avenir que celui d'un cachot. Oui, maître. Allez! Mensonges et trahisons, telles étaient les valeurs de ce royaume. Qui savait les utiliser en devenait le souverain. Mêlé de haine et d'incompréhension, ma vengeance allait être terrible. Qui va là? Toi? Voilà enfin une occasion de te faire taire définitivement. C'est dommage, j'avais un message à faire passer à ton roi. Tu le lui passeras en enfer! C'est en effet un lieu où je compte bien le retrouver. De son fardeau et annonça l'arrestation du prétendu coupable. Manipulateur aguerri, il pouvait ainsi continuer de leurrer la population en s'enrichissant sur son dos. Mes chers sujets, depuis trop longtemps vous avez été victimes de brigandage et de pillage. Depuis trop longtemps, le responsable de ces actes nous ont échappé. Il est temps que justice se fasse. Aujourd'hui est un jour de gloire, car nous avons mis sous les verrous le responsable de toute cette triste histoire. Désormais, allez sans crainte et sans peur, et que la fierté du peuple qui fut jadis la vôtre renaisse en ce jour. Et pour l'heure, la potence est dressée et les corbeaux sont affamés. Qu'on amène le prisonnier et que l'auteur de tous ces crimes réponde de ses actes.
L'injustice est partout, mais sous des formes différentes. Et bien des hommes ont du mal à la discerner.